La droite et la gauche se déterminent par rapport au perchoir. Donc, il faut regarder dans cette position. Ici est donc la gauche, et donc ici est la droite. Et au fond, plus on est à gauche, plus on est là-bas, et plus on est à droite, plus on est là-bas. Voilà. Et ensuite, on revient progressivement vers le centre. Et puis, vous remarquerez que la hauteur du perchoir est juste à la hauteur des derniers bancs de l'hémicycle, parce que le président n'est pas supérieur à ses collègues, il est simplement le primus inter pares, c'est-à-dire celui qui a été élu pour diriger leurs débats. Mais il n'a pas d'autorité hiérarchique sur les collègues. Voilà, donc ici est donc ce que l'on appelle le perchoir, qui est donc le siège et le lieu où travaillent les présidents de séance. Je cogne comme ça. Les micros étaient chauds. Ça, c'est un instrument, si je puis dire, pour rappeler au calme et permettre aux orateurs de s'exprimer. Il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir un député qui défend une position et dont la voix est couverte par le bruit des autres, ou même un ministre qui se fait houspiller ou autre. On a ici une sorte de tableau de bord qui fait que si un député qui dépasse son temps de parole, on peut le couper, tout simplement en appuyant sur le bouton, disant que c'est terminé. Donc pour ceux qui sont très très longs, parce que parfois on laisse déborder 15 secondes, 20 secondes pour que le collègue puisse déployer toute son argumentation. Mais enfin, on essaye quand même de tenir la période. Je n'ai jamais utilisé. Et donc, lorsqu'il y a un vote solennel, donc les députés sont assis là, ou lorsqu'il y a une demande pour un amendement de scrutin public. Parce que c'est une manière de savoir exactement ce qu'a voté chaque député, ou s'il a pris part au vote ou pas. Et donc ici, il y a trois boutons qui sont très simples, pour, contre, abstention. Et il y a parfois certains collègues qui sont courageusement absents. Ou dans les jardins, enfin, bref, en tout cas, qui se disent « Je suis bien embarrassé de voter, donc autant que je sois réputé avoir été très pris ailleurs. » Il y a un côté défouloir ici. Vous savez, les députés, ils travaillent beaucoup. Quand ils viennent dans l'hémicycle, ils ont envie de se défouler un peu. Alors, ils portent leurs arguments avec vigueur, ils savent que ça va faire réagir. C'est un usage qui manifestement perdure, que les députés soient nouveaux ou anciens. Il semblerait qu'il y ait un goût persistant de la joute oratoire et de la bagarre.